c'est Miss Nemo. Je vous retrouve dans The Cave pour l'épisode 2. Alors on avait choisi nos trois personnages, on avait pris l'aventurière, le fermier et les jumeaux. Petit à petit, au niveau du jeu, on découvrait un petit peu plus sur leur histoire. Oh, boîte à dynamite. Est-ce que je peux en prendre une? Mais oui. Avec des images, des portraits. Pour l'instant, on savait pas grand chose. Hein. Pose-le là. On va dire qu'on n'a rien vu. Hein? D'accord? Vous n'avez absolument rien vu. Qu'est-ce qu'il y a en haut? Guitare maudite. Faut que je la ramène au marchand. On avait rencontré un vendeur de... Bah non, je peux pas revenir, je crois. Non, gram. Un vendeur de souvenirs. Et il nous avait dit de ramener trois objets à vendre. Mais j'ai pas l'impression que je puisse remonter. Alors peut-être que c'est avec un autre chemin. Qu'est-ce que je vais faire avec cette guitare? Peut-être y avoir encore un monstre. Je vais devoir l'apaiser. Avec une guitare maudite. C'est d'une logique. Oh. Ok, d'accord. Alors, on va prendre notre petit morceau. Je sais même pas leur prénom. Je sais même pas s'ils ont nom, en fait. Si ça se trouve, c'est juste l'aventurier, tout ça. Bouton d'appel de l'ascenseur. D'accord. Et si je grimpe, qu'est-ce que c'est? Oh! Oh, j'aime bien ça. C'est bon, ça brille, c'est de l'or. Je vais peut-être aller voir en bas quand même, juste pour voir. Ok. J'ai l'impression qu'on vient de trouver nos trois objets pour la boutique, hein, parce que c'est pas rien non plus. On va bien voir. Hop. Mon petit monsieur. Prends-moi ça. Mais j'ai limite pas envie de lui donner au gars. Hein. Moi je veux le garder, c'est un trésor, c'est à moi. Ah d'accord, non, je rigolais, j'avais pas compris que c'était l'ascenseur. Oui, non mais lâche. Non mais, pas la guitare. Alors ok, tu montes, et les petits enfants. Ils sont pieds nus aussi. Ah, j'avais pas remarqué. Voilà. Moi je trouve qu'on... Ah d'accord, c'était un ascenseur. Bah non, fallait comprendre. Hein. Moi je trouve qu'on fait une belle équipe. Hein. Ça paraît absolument pas glauque. Une femme forte, un fermier un peu... voilà. Et deux jumeaux qui ont l'air un peu déprimés, enfin dépressifs ou... Il pourrait sortir d'un jeu de Tim... Enfin d'un film de Tim Burton, je trouve. Alors, si je te donne ça, tu me dis quoi? Well, that's one trinket, a far cry from three trinkets. Et ben regarde, tu sais compter? Trinket numéro 2. Ah, the third glorious trinket. I have to say, you have surprised me. I figured you'd give up after one. Je vais prendre ça du coup, au cas où.
J'ai envie d'aller prendre la carte qui était en bas. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que ça va m'être utile si c'est là. C'est pas... Oh, j'ai oublié de mettre le chrono. Zut. Bon. Ça aurait peut-être un petit peu plus... Un épisode un petit peu plus long. Où est-ce que je l'ai mis là? Je sais pas à quoi ça sert, mais... Je sais pas, peut-être qu'on va devoir rencontrer quelqu'un qui va nous dire « Oh, j'aimerais écrire à ma femme ou à ma famille. Est-ce que vous auriez quelque chose ?» Et du coup, on va lui donner la carte postale. Comme ça, hein, tu peux pas ouvrir. Je comprends pas, qu'est-ce que tu me dis, toi? Oh, right. Sorry. Ah bah, merci. Vieil écriteau. Clause de non-responsabilité dans la caverne. En pénétrant dans cette caverne, la caverne, vous acceptez par la présence... Par la présente que la caverne... La caverne... Quoi? Attends. Oh là là, c'est moi ou la phrase... Attendez, on reprend. En pénétrant dans cette caverne, la caverne, vous acceptez par la présente que la caverne, etc., sa maison mère. J'ai pas compris la phrase, mais je pense que c'est fait exprès. Patrimoine d'Aluminium fusionné, ainsi que toutes les filiales de la caverne, réelles ou fictives, ne soient tenues responsables des dommages physiques, émotionnels ou spirituels encourus. Durant votre visite de la caverne pour une période d'un minimum d'un an à maximum de 5 après votre sortie de la caverne, les la caverne n'est pas non plus responsable de tout dégât, perte ou vol d'effets personnels. Vous acceptez aussi de rembourser la caverne pour tout dégât que vous avez causé ou pas. Bonne expression, j'ai bien causé ou pas. Si c'est pas toi, c'est pas grave, tu payes quand même. Alors, mon petit gars, on va avoir des problèmes, hein. Je ne paye pas n'importe well, quoi. That was a close one. It does bode well for our intrepid spelunkers that they navigated that maze of intrigue. I have high hopes for this group, much better than the last. I think they may still be down here. I should probably get them out. Nothing scares away the tourists like a rotting corpse. D'accord, charmant. Je sais pas si vous l'avez vu, mais j'ai eu un succès, c'était vol à l'étalage. Alors c'était peut-être juste pour avoir le succès, du coup, le coup de la carte postale. Oh, je suis fan de batteries. Mais bon, c'est pas grave, écoutez. Hein. Ah, on va en apprendre plus sur les jumeaux. Enfin, pas si adorable que ça. D'accord, ils ont essayé de tuer leurs parents, c'est ça? Alors peut-être qu'ils ont été adoptés, ils se sont tout simplement débarrassés de leur famille d'accueil. Il n'y a pas moyen de s'accroupir. Ok. Qu'est-ce que ça a fait? Ah, j'ai pas récupéré le... Si, je l'avais pourtant, le pied de biche, non? Il me semblait. Ah, il faut peut-être que je mette les deux, en fait. Bon, on peut mourir de chute déjà. Apparemment non. Alors qu'est-ce que ça fait? C'est peut-être une grosse bêtise que je suis en train de faire. Hein. Ouais, je m'en doutais un peu, mais bon, sur le papier, ça me paraissait logique en même temps.
je vais jamais réussir à... Qu'est-ce que... Oh, d'accord. J'aime bien parce qu'ils peuvent faire des sauts, mais oui. Mais bon, c'est pas grave. Est-ce qu'avec ton pouvoir, toi... Non. Est-ce que... Si, est-ce que de là, tu pourrais... attraper la truc? Non. Faudrait que je fasse... Ah bah si, peut-être. Qu'est-ce que c'est ça? Ah non, c'est un rouage, d'accord. Mais non, mais c'est un rouage, mais comme ça en fait, moi je voyais un visage. C'est pour ça que je me disais c'est un masque, un truc. Je sais pas si vous le voyez aussi du coup. Je dois avouer que là je comprends pas vraiment là. De toute façon, il faut toujours que j'en laisse un là, parce que sinon, bah, il peut pas passer l'autre. Attendez, on va essayer. Est-ce qu'il faut tout simplement plus de poids? Je pense pas, parce que la lumière est verte. C'est-à-dire que ça marche. Tiens, je me demande, est-ce que leur truc spirituel, là, ça a un poids? Non. Alors, faut que je te donne la carte postale? Non. Ah, mais non, en fait, ça se trouve, c'est... Voilà. Du coup, maintenant, voilà. Du coup, tu meurs pas. D'accord. Donc, c'était bien ça. Tour de la caverne. Bah, allons-y. Puis moi, je garde ma carte postale. Hein. Oh, j'aime bien la musique. Elle est jolie. Oh. C'est... C'est sympa comme visite, dis donc. Ça met de l'ambiance. Ouais, mais je suis un peu loin. J'ai envie de savoir ce qu'il y a en bas, moi. Il y a beaucoup de chemin là. Qu'est-ce que... Flamme brûlante, d'accord, il y a un truc à faire exploser là, non? C'est peut-être le chemin de retour ça. Comment ça tu peux pas attraper la corde? Tu te fiches de moi? Ah. Je préfère. J'ai du mal à saisir le concept, en fait c'est une caverne vivante du coup qui fait des visites à l'intérieur d'elle. C'est... Personnellement j'appelle ça de la prostitution, mais bon... Je sais pas hein, après... C'est étrange... Bah on va suivre... That sweet smell of cotton candy and roller coaster vomit can mean only one thing: the carnival is in town. And you know what these three would love even more than going to the carnival? Sneaking into the carnival. Oh, come on, there's no shame in it, really. It's a victimless crime, unlike the crime about to be committed by someone who shall remain nameless. But it rhymes with Bill Hilly. Okay.
Après, je sais pas, moi chez moi les fêtes foraines c'est gratuit, c'est enfin c'est chaque manège est payant, c'est pas tu payes à l'entrée. Je sais pas, ça doit être aux États-Unis ça. Ah, mais tu pouvais. Ah, d'accord. Ah là, toi t'avais une bubule. Ben non, mais ça te sert absolument à rien alors. Attends. Mais non, mais grimpe pas. Faut que je reste appuyé? Ah non. Ah d'accord, en fait il retient sa respiration. Oh, mais comment je vais faire ça? Il faut que je le fasse comme ça. En fait, il faut appuyer sur A, donc c'est pas super simple non plus. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Respire, mon gars, respire. Une flamme. Ah! Oh, oui, d'accord, c'est évident. Tu vas devoir exploser pour le bien de. Ah, mais je peux les lâcher, d'accord. J'avais pas compris. Et je me disais aussi, c'est un peu. C'est un peu glauque comme jeu où on doit forcément sacrifier les gens pour qu'ils explosent. Je me demande parce que là, ce niveau, je pouvais le faire que avec le fermier, vu qu'il n'y a que lui qui a la respiration. Les niveaux changent en suivant les personnages, du coup. Ooh, there she is, the amazing two-legged lady. You know, the hillbilly carries a torch for her. If only she would finally notice him. They could marry and live happily ever after with a house full of little Bill Hillies. Ugh. Oui, je... Voilà. Hein. Non, ma carte postale. Non, je la veux. Prends la carte postale. Chope la corde. Oh, tu m'as fait peur. Oh, tu m'as fait peur. L'incroyable femme aux deux jambes, c'est ça? Ouais, je pense que c'est ça en fait, que l'histoire se définit par rapport au personnage que l'on choisit. Du coup, ce qui fait une durée de vie au jeu plus longue, puisque comme il y a plein de personnages, il y a plein de combos à faire. Je sais pas si je ferai toutes les histoires. Qu'est-ce que tu lui dis, toi? Ah, mais non, mais c'est un panneau, oui, d'accord. Nier. The pink bear hanging in that prize booth looks remarkably like what the amazing two-legged lady desires most. Perhaps the hillbilly can win enough tickets to buy it for her. Then this adorable story can have its happy ending. Mange ticket. D'accord, donc je trouve des tickets. Mais c'est un ticket ça? Ah, mais tout de même. Alors comment on fait pour gagner? Ah d'accord, il faut que je trouve 5 tickets, donc là ça m'en fait un, ok. Ah ok, j'ai eu peur. D'accord, faut que je trouve un truc pour tricher, pour gagner un ticket, pour taper fort. C'est vrai que dans la composition, j'ai pas pris de. Step right up and have your weight guessed. If I'm wrong, you get a ticket redeemable for a prize you desire the most. Je sais pas si on peut vraiment appeler ça, vous savez, tant que il dépasse machin et tout. And win a ticket, but only if I'm wrong. And I'm never wrong. Ah, je sais, là, il faut que je prenne les enfants. Je vais mettre le. leur double là. Et le mec il va faire au fait, je sais pas, 0 kilo. Non.
Je pense que c'est ça. The carnivals are responsible for hurt feelings when I guess your weight correctly. Alors? Non? Faut quand même que je reste dessus? Oh là là, mais il y a des chemins partout. J'ai pas une mini-map. Oh. Magnifico the Magnificent will now dazzle your mind with the most amazing disappearing act ever performed. Pay close attention to the cupcake on the pedestal. By the dark powers invested in me, by the county of Rutherford and the surrounding unincorporated areas, I pronounce you disappeared. Oh, j'ai pris un gâteau invisible. Mais c'est pour quoi faire? Ah, il a un temps limité. Ok, je me balade avec un gros cupcake. Ah, si ça se trouve, ça, il faut que je le mette dans le truc pour deviner le poids. Mais j'avais l'impression qu'il me fallait un ticket, moi, pour ça. C'est pas simple, hein. Là, on nous lâche vraiment comme ça. These eyes have never failed me. Step on the platform and get your weight guessed. J'ai dit hop. Ah non, ça marche pas. Ouais, bon. On va voir un peu ce qu'il y a dans tous les côtés parce que pour l'instant j'ai plein de machins mais. Roue de l'infortune, c'est ça qui avait marqué. Take your chance with Lady Luck. Spin the wheel and guess the color. If you're right, you win a ticket. And the color is green. Better luck next time. And the color is red. Better luck next time. Je me doute qu'il y a un truc à faire avec les deux personnages là, mais... Ok, donc là il doit y avoir un passage. Ah mais non, mais je sais, je vais poser l'altère. Oh là là. Je crois. Je suis pas sûre, mais je vais poser l'altère du coup au machin où on doit taper fort. Peut-être que ça. Mais non, mais descends. Voilà. Ah, flûte, tu m'embêtes. Si je tape avec l'altère. Mais pas très malin. Bah c'est pareil, c'est comme un gros marteau, non?
On va essayer d'aller dans l'eau du coup avec lui. Ok, et de l'autre côté il y avait quoi? Mais non, mais pas là. Oh. Il peut retenir sa respiration vachement longtemps quand même. Hein. Écrou de valve. Ok, tu peux rien faire. Oh. Un enfant négligé. Pas pourquoi négliger, il est entouré de sa famille. Qu'est-ce que j'ai trouvé? Alors j'ai trouvé un altar. Et un cupcake. Oh, j'ai oublié de prendre de l'air, évidemment il va crever. Je me demande si en fait il y a différents niveaux par rapport aux combinaisons qu'on fait, si c'est pas seulement les personnages, mais voilà aussi les combinaisons. Ah bah dis donc. Le monopole de la gloire. Ok, donc elle arrivait toujours à distancer les autres. D'accord. Quoi, c'était juste pour ça? Ah, mais du coup, ça m'a donné un ticket! D'accord. Alors, je me demande, est-ce qu'il faut pas que. Je vais essayer. Non, avant de le mettre là-dedans, je vais essayer de le donner au. Au gars là qui faisait le truc des bois. Parce que j'ai pas compris, enfin. These eyes have never failed me. Step on the platform and get your weight guessed. Non, bah non, bah alors je sais pas. Non, pour moi il. I can guess your weight within 0 pounds. Je reviendrai plus tard parce que je crois qu'il m'a dit un truc intéressant mais j'ai pas lu. Non, il me semblait qu'il fallait mettre un ticket en fait pour qu'il accepte de trouver le poids parce que là je sais pas, le truc ça tourne mais. Sans plus. Allez. Pratiquement un épisode pour trouver un ticket, c'est la loose quand même. Hein. Mais. Get your weight guessed and win a ticket, but only if I'm wrong. And I'm never wrong. Ah, mais faut que j'appuie sur le bouton ou pas? 114. Right again. You lose. D'accord, en fait, faites juste appuyer sur le bouton. Alors du coup, on va faire hop. My best guess is 114. Right again. You lose. 114. Your weight is exactly right again. You lose. My best guess is 170. Five. Right again. You lose. Ouais. Step right up and have your weight guessed. Come on, what are you afraid of?
175 kilos, je pense pas, hein. Surtout deux gamins. Je sais pas pourquoi ça me paraît suspect. Ou alors ils les font vraiment pas. Hein. Ah, c'est peut-être en... L'unité, bah, aux États-Unis, je crois que c'est pas pareil en fait. C'est le double ou un truc comme ça, mais même pour deux enfants, ça me paraît bizarre. You weigh 225. Right again. You lose. Bon, ok. Et si je mets les enfants aussi dessus, ça fait quoi? My best guess is 339. Right again. You lose. Je peux lui mettre le cupcake. J'imagine que ça sert à rien. En fait, c'est le cupcake magique. These eyes have never failed me. Step on the platform and get your weight guess. Your weight is exactly 481. Right again. You lose. Ok. Après, avec une précision extrême. Oui, enfin, t'as une balance quand même. Je dis ça, je dis rien. Raté. Ah oui, il fallait que je trouve un fusible pour ici. Donc là, il y a le gâteau. Ah, mais il y a peut-être un truc là-haut en fait. Oh, mais zut. Non, mais. Mais. Voilà, bouge plus. Ah, c'était juste pour ça? Ce n'était pas fait exprès. Bah non, pas du tout. Évidemment. Zut alors. Ah, d'accord, ok. Bon, bah, moi je vois que ça fait à peu près 30 minutes, mais bon, je me doute que comme j'ai pas déclenché le chrono tout de suite, ça doit faire un petit peu plus, mais bon. Je pense que je vais m'arrêter là, et puis... Je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un petit pouce ou à partager la vidéo. Et puis, bah, moi je vais continuer. Je vais essayer de trouver tous les tickets, hein. Et puis je vous dis à plus dans un prochain épisode.